J'attends là encore vos réactions. Le gouvernement envisage d'abaisser à 17 ans l'âge minimum pour passer son permis de conduire. C'est une information que donne France Info, que nous avons vérifiée, qui est confirmée. Donc 17 ans au lieu de 18 ans. Elisabeth Borne pourrait annoncer cette mesure dans 8 jours, lors de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Donc le permis de conduire à 17 ans au lieu de 18 ans. Nous sommes en direct avec Lorenzo Lefebvre, qui est vice-président éducation et sécurité routière de Mobilience, vice-président du CNPA, qui est le premier syndicat des exploitants d'auto-école. Lorenzo Lefebvre, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs, bonjour Jean-Jacques. Alors, Lorenzo, un permis à 17 ans au lieu de 18 ans, et c'est une bonne idée selon vous? Mais écoutez, nous, on a suivi cette proposition, mais sur un point, puisque ça, je vais vous dire que ça existe déjà, Jean-Jacques, puisque les gens qui ont passé l'apprentissage en conduite accompagnée, hein, ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite, ont le droit aujourd'hui de passer l'examen à 17 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont le droit de passer l'examen à 17 ans. Donc, si vous voulez, nous, la proposition qu'on a faite à Mobilience, Éducation et Sécurité Routière, c'est que ces gens-là puissent conduire à 17 ans, puisqu'ils passent l'examen à 17 ans. Aujourd'hui, ce qui est un peu ubuesque, c'est qu'ils passent l'examen à 17 ans, mais ils ne peuvent conduire seuls qu'à 18 ans. Voilà, aujourd'hui. Oui, quoi qu'il arrive, on ne peut pas conduire seul si l'on a moins de 18 ans. C'est ça. Et donc, pour cette population, c'est une formation qui est très intéressante puisqu'on a de très bons résultats en sécurité routière pour ces jeunes qui sont passés par l'AAC. Et en plus, on est à 75% de réussite à l'examen du permis B. On est à plus de 20 points de réussite par rapport au cursus normal. Donc, si ces jeunes-là, finalement, ont l'autorisation de passer à 17 ans, ça va permettre de récupérer des places d'examen pour les autres et en plus d'améliorer la sécurité routière. Alors, si ça va réserver à ces jeunes-là, c'est OK. Si par contre c'est pour l'ensemble de la population, on va se retrouver avec un gros problème de place d'examen au permis de conduire, puisqu'on va avoir la génération cette année des 17 et des 18 ans qui vont venir en même temps passer le permis de conduire. Voilà. Donc pour vous c'est bien, mais pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée. Exactement. Pas pour les autres. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, exactement. Bien. Voilà une prise de position. Je vais demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. 0826-300-300. Dites-nous, j'ai vu que les Républicains demandaient même 16 ans. Vous avez vu ça, Lorenzo Lefebvre? Mais écoutez, le problème, c'est que si c'est 16 ans, que devient la conduite accompagnée? Est-ce qu'on commence à 14 ans, à 13 ans? Ça va être un peu compliqué. Et comme je vous disais, aujourd'hui, ce qui fonctionne en sécurité routière, c'est la conduite accompagnée. Donc, il ne faudrait pas que ça soit supprimé. Il ne faudrait pas qu'en tout cas, les jeunes ne favorisent plus cet apprentissage parce qu'il y a la possibilité de conduire seul avant. Est-ce qu'aujourd'hui, passer son permis prend toujours autant de temps? Je veux dire, le temps de l'apprentissage, le temps de l'inscription, est-ce qu'aujourd'hui les délais ont été raccourcis ou pas? Alors surtout le temps, c'est le temps de passage à l'examen. Oui. Les écoles de conduite, elles peuvent faire la formation de manière assez rapide. Il n'y a pas de problème. Oui. Les inscriptions peuvent être faites aussi de manière assez rapide. Les deux points de blocage, et c'est pas dans tous les départements, c'est l'instruction du dossier pour aller passer l'examen et le délai de passage des examens quand on est sur des départements où il y a un manque d'inspecteurs des permis de conduire. Bien sûr. Alors, une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, hier d'ailleurs, sur la mise en place d'une plateforme numérique appelée Un jeune un permis, qui recense l'intégralité des aides de l'État, comme des collectivités, pour passer le permis de conduire. Évidemment, c'est un coup de pouce face au prix qui explose, hein, parce que le candidat n'aura que son code postal à indiquer pour connaître les financements accessibles dans son territoire, parce qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui. C'est ça, il y a beaucoup d'aides par beaucoup d'organismes divers et parfois les candidats sont un peu perdus. Heureusement que dans les écoles de conduite de proximité, on a des personnes au bureau qui sont capables de les aider. Donc si cette plateforme va en plus aider les candidats, en plus du personnel administratif qui s'occupe de traiter les dossiers et des aides dans les écoles de conduite, on va être encore plus performant sur les possibilités d'aide et surtout pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de financer leur permis de conduire. Alors, dans cette proposition de loi, sur la question des délais, afin de proposer davantage de créneaux d'examen, il y a l'autorisation pour des agents publics ou contractuels de faire passer l'épreuve pratique du permis. Et ce sera étendu au niveau national, parce que je crois savoir qu'il y a quelques expériences déjà qui sont conduites, expérimentations. Ça veut dire, c'est qui, agent public ou contractuel, qui pourrait faire passer l'épreuve pratique? Aujourd'hui, les contractuels, Jean-Jacques, ce sont les gens de la Poste à qui on propose de devenir aussi examinateur au permis de conduire.
Donc, ils sont sélectionnés, qui font une formation, une vraie formation pour être examinateur au permis de conduire, et qui entrent dans les inspecteurs du permis de conduire du département. Ce que va changer cette proposition de loi, c'est qu'en gros, on va avoir un contingent disponible de personnes qui seront capables de faire des examens lorsque le département va se retrouver en tension. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, puisque ces agents publics ne feront certainement pas que du permis de conduire, mais ils feront également d'autres choses, mais ils seront disponibles si toutefois dans des départements... Oui, enfin, est-ce qu'ils ont les compétences ? Est-ce que ces agents publics ou contractuels ont les compétences ? Ils seront obligés de faire la même formation que les inspecteurs pour faire des examens en permis B. Ils font la même formation. C'est pas des gens qu'on prend comme ça au hasard. Ils sont sélectionnés et ils prennent la même formation. Ils sont sélectionnés, ils suivent la même formation et ils pourront donc bien juger de la conduite d'un candidat au permis. Hein, c'est cela. Exactement. Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Remarquez, c'est bien, parce que ça permet de réduire les délais. Exactement. Puisque les délais ne sont pas des délais liés à la formation, mais plutôt au passage de l'examen. Donc, si on réduit les délais de passage de l'examen, c'est ce qui réduira aussi le coût pour les jeunes. Est-ce que ça va réduire les inégalités ? Je parle d'inégalités territoriales. C'est-à-dire que dans certaines régions, il est plus facile d'obtenir son permis que dans d'autres. C'est ça. Bah, écoutez, si c'est fait comme prévu, il devrait y avoir une sélection des endroits en tension et on devrait commencer par mettre ce projet dans les endroits où c'est compliqué. C'est ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a des départements, des régions en France où il est plus facile d'obtenir son permis que dans d'autres ? Alors, plus facile, ça dépend ce qu'on appelle facile. Les délais sont moins longs. Non, j'oublie les délais, mais dans l'examen même. Non, il n'y a pas de différence. C'est plus simple. Non, il n'y a pas de différence. Les prix, aujourd'hui ? Combien ça coûte un permis aujourd'hui ? Aujourd'hui, la moyenne, on est aux alentours des 1800 euros pour une trentaine d'heures de conduite. Ce qui fait, si je ramène ça simplement à la conduite, sans compter qu'il y a le traitement du dossier, toute la partie théorique, etc., on est à peu près entre 50 et 60 euros d'heure. TTC, ce qui fait partie des professions finalement où des coûts de formation les moins chers en France. Voilà. Bon, après c'est comme ça. On peut pas dire en France que le permis est cher puisque c'est un des moins chers d'Europe et les taux horaires des écoles de conduite sont relativement bas par rapport à l'ensemble des autres professions. Merci Lorenzo Lefebvre. Merci beaucoup. Hein.